السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله سنواصل الأخطاء الواقعة في الحج. وتوقفنا عند استقبال جبل عرفة بالدعاء، والآن سنتكلم عن زيارة بعض الآثار التي لم تشرع زيارتها على سبيل التعبد، مثل غار حراء واعتقاد مشروعية زيارته. Donc la huitième erreur, c'est le fait, lorsqu'on est en train de faire son pèlerinage, de visiter certains lieux, certains monuments, certains athar, donc certains vestiges, et de penser et de le faire à la sabil ta'abud, c'est-à-dire de penser que ça nous rapproche d'Allah. Par exemple, la grotte de Hira, durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retirait juste avant de recevoir Al-Wahy, juste avant que Jibril ne descende sur lui pour lui faire la bonne nouvelle que Allah Azzawajal avait choisi pour être un envoyé de Dieu. Donc cette grotte de Hira, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y était retiré pour chercher son Seigneur, pour essayer d'adorer son Seigneur unique, eh bien certains, pendant le pèlerinage de la Mecque, ils font exprès d'aller à cette grotte, de s'y rendre en cherchant le tabarouk, la bénédiction, et en pensant que ça va les rapprocher d'Allah, alors que ça ne les rapproche d'Allah en rien, et cela n'a jamais été institué. Jamais les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisaient des voyages vers la grotte de Hira ou vers d'autres vestiges où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu, en pensant que c'était un bien de le faire. Mais au contraire, ce n'est absolument pas un bien. Et Umar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, radiyallahu anhu, il a dit « Innama halaka man kana qablakum bimithli hadha yatba'una athara anbiya'ihim » Donc Umar ibn al-Khattab, il avait justement dit à ces personnes qui pensent chercher la baraka en se rendant dans certains lieux, il a dit « Les gens qui étaient avant vous n'ont péri que par le fait de chercher que par le fait de suivre les vestiges et les traces de leurs prophètes. » Donc on en conclut qu'il n'est pas autorisé de se rendre dans ces lieux en pensant que ça nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Wal khata'u at-tasi' i'tiqadu anna lubs al-bayad fi al-ihram afdal lin-nisa' wa takallamna 'an dhalika fi ad-dars al-madi. Donc la neuvième erreur, c'est le fait de penser pour les femmes que de s'habiller en blanc pendant l'ihram, c'est meilleur pour elles. Et ça, on en a déjà parlé dans le cours précédent. On a dit que ça ne concernait que les hommes, le fait de s'habiller en blanc. Si une femme veut s'habiller en blanc, il n'y a pas de souci. Mais on lui dit qu'elle ne pense pas que ceci est obligatoire comme ça l'est pour les hommes. Non, c'est absolument pas obligatoire. Et ce n'est même pas meilleur pour les femmes. Ce n'est même pas meilleur, c'est juste moubah. C'est simplement autorisé. Si elle veut le faire, elle le fait, mais qu'elle ne pense surtout pas que c'est obligatoire. Par contre, ce qui est interdit, parce qu'on avait dit d'une manière peut-être un peu trop générale que la femme pouvait s'habiller n'importe comment pendant son ihram, tant qu'elle respectait les règles islamiques du vêtement, il y a quand même deux interdictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté. Donc, il a été rapporté que نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. Donc il y a quand même certains interdits pour la femme. Hier on avait parlé du niqab. Donc là on va étoffer un peu le sujet. Parmi les vêtements qui sont interdits à la femme pendant son pèlerinage, pendant son ihram, le fait que le prophète a interdit pour la femme lors de son ihram, de sa sacralisation, de porter le niqab, donc c'est le voile qui couvre le visage, peu importe qu'on voit les yeux ou pas, peu importe qu'il cache complètement les yeux ou qu'il y ait des trous, le fait de se voiler la face, sans mauvais jeu de mots, c'est interdit pour la femme en état de sacralisation, de même que de porter les gants.
La femme, elle ne porte pas de gants ni de niqab pendant son état de sacralisation. Et on a vu que les savants ont dit, sauf si vraiment il y a beaucoup d'hommes autour d'elle, rakhassou fi dhalika. Ils ont dit, bon, s'il y a vraiment beaucoup d'hommes parmi elle, elle a le droit de se cacher le visage et les mains. Et le prophète a aussi interdit les vêtements qui ont été teints, qui ont été touchés par Al-Wars. Al-Wars, c'était une fleur qu'on traduit en français par le mémécycle. Et c'était une fleur qui donnait la coloration rouge aux vêtements. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'ils teignaient les vêtements. Ils écrasaient les pétales de fleurs, certaines fleurs qui donnaient une forte couleur, comme le safran justement, et comme Al-Wars, le méméthyl, le mémécycle. Et donc, il y a deux couleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit, ou bien deux teintures. C'est celle qui est issue du Wars, donc qui donne ce colorant rouge aux vêtements, et celle qui est issue du Za'faran, du safran, qui donne la couleur jaune aux vêtements. Donc ça, effectivement, le prophète l'a interdit. En dehors de ça, la femme, elle peut porter ce qu'elle veut tant que ça remplit les conditions de la charia qui sont valables même en dehors du pèlerinage. Al-khata' al-ashir i'tiqad anna al-hajj la yatimmu illa bi ziyarati qabr an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ça, c'est une erreur curieuse qui est la dixième. C'est le fait de penser que le hajj n'est valide que si on a visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors moi personnellement je ne l'ai jamais entendu, mais visiblement il y a des gens qui pensent que si je suis allé à la Mecque, que j'ai fait tous les rites du hajj, mais que pour une raison ou une autre j'ai dû rapidement retourner dans mon pays, que je n'ai pas eu le temps de me diriger à Médine et de prier à Médine, et en plus de visiter la tombe du prophète et de le saluer sallallahu alayhi wa sallam, mon hajj, mon pèlerinage, il est incomplet. Ça, on dit absolument pas. Certes, quand on a les moyens d'arriver jusqu'à la Mecque, ce serait vraiment du gâchis de ne pas se rendre à Médine, c'est à quelques heures en quart, ce serait vraiment du gâchis de ne faire que la Mecque et de ne pas en profiter pour aller visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc on dit oui, on va visiter la mosquée du prophète à Médine, c'est bien. Lorsqu'on est dans la mosquée du prophète, on lui passe le salam ainsi qu'à ses deux compagnons Abu Bakr et Omar qui sont enterrés avec lui. Ça c'est une sunna, c'est un acte mustahab, c'est un acte qui est bien de faire, mais ce n'est pas une obligation pour la validité du hajj. Absolument pas. Celui qui ne le fait pas, son hajj ou même sa umra, son petit pèlerinage, elle est quand même correcte. Al-khata' al-hadi ashar, i'tiqad sihhati ahadith mawdu'a, minha man hajja wa lam yazurni faqad jafani, aw man zara qabri wa qabra abi Ibrahim fi 'amin faqad wajabat lahu ash-shafa'a wa أتخجل أن أذكر الأحاديث الأخرى. Donc la onzième erreur, il nous dit, c'est le fait de croire en l'authenticité de certains ahadiths, de certains propos du prophète qui sont absolument inventés. La asla la, n'ont aucune base. On ne sait pas d'où ils sortent. C'est vraiment des mensonges purs et durs. Donc le cheikh, il en a cité quatre et ils donnent tellement la chair de poule, tellement ils sont écœurant à écouter, tellement c'est des mensonges sur Allah et son prophète, que je préfère n'en citer que deux et délaisser les autres. Il a cité par exemple le faux hadith qui dit « Celui qui a fait le pèlerinage et qui ne m'a pas visité, il a certes été rude envers moi. Il m'a certes méprisé. » Zahma, le prophète aurait dit ça, ce qui est absolument faux. Il n'y a aucun savant du hadith qui dit que ce hadith est correct. Au contraire, ils disent tous que ce hadith est inventé et forgé. Et le deuxième hadith inventé, il y a par exemple celui où le prophète n'a jamais dit, mais des personnes prétendent qu'il a dit, celui qui a visité ma tombe ainsi que la tombe de mon père Ibrahim au cours de la même année, alors ma shafa'a, c'est-à-dire mon intercession au jour dernier, c'est-à-dire quand j'irai voir Dieu pour demander sauve un tel et un tel de ma communauté, alors ma shafa'a, mon intercession lui sera accordée, elle lui sera acquise. Donc ça encore, c'est un hadith faux et mensonger. Donc parmi les erreurs des gens qui font le pèlerinage, il y a le fait qu'ils pensent que ces hadiths sont corrects et donc ils essayent absolument de les mettre en pratique. Al-khata'u thani ashar al-mashyu ila al-khalaf
ba'da tawaf al-wada'. Donc la douzième erreur, c'est ça aussi, alhamdoulillah, moi personnellement, je ne l'ai pas vu quand j'ai fait le pèlerinage. Le shir nous évoque que parmi les erreurs, la douzième, c'est que certains, après le tawaf ou le wadar, c'est-à-dire la dernière circumambulation qu'il fait avant de quitter la Mecque. Vous savez que pour clôturer le pèlerinage, pour quitter la Mecque, il faut faire un dernier tawaf, une dernière circumambulation. Eh bien, il y a des gens qui pensent que lorsque cette dernière circumambulation est finie, qu'on l'a accomplie, on doit marcher à reculons et s'en aller sortir de la Mecque à reculons. Alors je ne sais pas qui c'est qui leur a mis ça dans la tête, mais ça n'a jamais été rapporté ni du prophète, ni de ses compagnons, ni de nos grands imams qui nous ont rapporté les règles du pèlerinage. Donc on ne trouve ça nulle part. C'est vraiment une grossière erreur, une innovation qui franchement qui est ridicule, qui prête au ridicule. الخطأ الرابع عشر التساهل بالمبيت بمزدلفة ومينا وذلك لقول الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقالت عائشة رضي الله عنها كانت سودة امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفيض مع جمع بليل فأذن لها كما أخرجه الشيخان في البخاري ومسلم. Donc la quatorzième erreur, c'est le fait de mal accomplir la présence nocturne. C'est comme ça que je traduis al-mabit. Al-mabit, ça veut dire le fait d'être présent durant la nuit, de coucher la nuit à tel endroit. Al-Mabit bimuzdalifa ou Amina. Vous savez que parmi les wajibat ou le hajj, c'est-à-dire parmi les impératifs, les obligations du pèlerinage, il y a le fait que la veille du Yawm al-Nahr, la veille du jour du sacrifice, c'est-à-dire le jour de l'Aïd al-Abha, la veille, on doit impérativement coucher, dormir à Muzdalifa. C'est une région, une vallée qui s'appelle Muzdalifa. Et pour que notre pèlerinage soit correct, on doit au moins y passer plus de la moitié de la nuit. Et donc le cheikh nous dit, parmi les erreurs, il y a des gens qui ne passent même pas la moitié de la nuit. Ils partent avant même la moitié de la nuit. Et bien ça, ce n'est pas compté comme s'il avait fait le mabit bimuzdalifa, comme s'il avait fait ça, comme s'il avait demeuré durant la nuit de Muzdalifa à Muzdalifa. Donc parmi le prophète, certes, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une roursa, une facilité aux personnes très âgées, aux femmes qui éprouvent des difficultés. Car pour ceux qui ont fait le hajj parmi vous, on sait que la sunna, quand on fait le mabid bi Muzdalifa, qu'on dort à Muzdalifa, qu'on passe la nuit à Muzdalifa la veille de Yawm al-Aïd, la sunna c'est de partir après Salatul Fajr. Je prie ma prière du Fajr à Muzdalifa. Et c'est pareil pour les Naam. Pour les gens qui accompagnent les gens malades. Oui, c'est permis aussi. C'est permis pour ceux qui accompagnent les vieilles personnes ou les personnes malades. Il leur faut absolument quelqu'un qui les accompagne. C'est aussi permis pour les accompagnateurs. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil pour Al-Mabit Bimina. Vous savez que après le jour d'Al-Aïd, après plutôt le sacrifice en tout cas d'Al-Aïd, du jour d'Al-Aïd al-Abha, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa prière du Dhuhr, il s'est rendu à Mina. Et à Mina, on y passe les trois jours et trois nuits qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Ce sont les trois jours après l'Aïd. Et donc, on doit impérativement, ça fait partie aussi des wajibat al-Hajj, des obligations du pèlerinage, de passer soit deux nuits, minimum deux nuits, soit trois nuits si on peut, à Mina. Et c'est notamment les jours durant lesquels on va vers les trois stèles pour les lapider. Donc, il y a des gens qui ne passent pas la nuit à Mina. On leur dit, donc ça c'est une grave erreur. Ça fait partie des obligations du hajj, du pèlerinage, de passer ces trois, au moins deux nuits ou trois nuits à Mina. Et la quinzième erreur, As-Sahar At-Tawil, Bimuzdalifa ou Amina min ghayr haja. Donc il faut savoir que quand on est à Muzdalifa, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de regrouper Al-Maghrib et Al-Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a lancé un adhan et deux iqama, un iqama pour le Maghrib et un iqama pour l'Aïcha, et il les a priés en jama, les a priés en regroupement. Et tout de suite après, il s'est couché et il ne s'est réveillé que pour prier la prière du Fajr. Donc le cheikh nous dit que parmi les erreurs, il y a le fait que certaines personnes veillent, c'est-à-dire ils passent la nuit en veillée, ils ne dorment pas à Muzdalifa, ils restent éveillés. Donc on leur dit ça c'est une erreur, au contraire, comme le lendemain c'est le jour d'Al-Aïd, suivez la sunna du prophète et dormez. Dormez à Muzdalifa, regroupez vos prières et couchez-vous tout de suite et ne passez pas la nuit en discussion et en veillée nocturne. الخطأ السابع عشر استعمال الملاهي في الحج وغيره كالمعازف والملاهي لأنه لا يجوز استعمالها وقد تقدمت أدلة ذلك آخر الصيام. Donc la 17e erreur, c'est le fait d'utiliser durant ce temps sacré, le temps du pèlerinage, où on est dans une période où on devrait être le plus proche d'Allah, ben malheureusement il y a des personnes qui n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont, parce qu'il y en a qui aimeraient tellement être à leur place à la Mecque en train d'accomplir le pèlerinage, mais il y en a qui malheureusement pendant ces rites du Hajj, eux ils sont distraits, ils jouent avec leur portable, avec le PC portable, leur smartphone, ils lisent des livres qui ne servent à rien, des magazines, le chéri nous parle même d'instruments de musique, il y en a qui écouteraient de la musique. Donc tout ça, on ne va pas le répéter, on avait déjà parlé de qu'il faut éviter les distractions pendant le jeûne. Ben, c'est pareil pendant le Hajj. On essaye d'éviter au maximum pendant le pèlerinage, ça ne dure pas longtemps. Pour les plus chanceux d'entre nous, on y reste un mois. En général, il y en a qui ne font que 10-15 jours. Donc profitez à fond de ces jours bénis, de ces jours en or, et ne perdez pas votre temps dans les distractions et dans les futilités. وَالْخَطَأُ الثَّامِنَ عَشَرَ رمي الجمرات قبل الوقت. Donc, comme on l'a dit, رمي الجمرات هو في أيام منى وبعد الزوال. لا يجوز رمي الجمرات قبل الزوال إلا يوم العيد. يوم العيد يمكن أن ترمي الجمرات ضحى كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc la 18e erreur, c'est le fait de lapider les stèles, les trois stèles au pèlerinage, avant le temps imparti. Quel est le temps imparti? Pour le premier jour d'Al-Aïd, le jour d'Al-Aïd, le jour du sacrifice, sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, s'est dirigé vers les stèles et les a lapidées au temps du Duha. Qu'est-ce que le temps du Duha? C'est lorsque le soleil s'est levé au-dessus de l'équivalent d'une lance. Lorsque je prends une lance comme ça dans ma main, il faut que le soleil se soit élevé au-dessus de la lance, ce qui correspond à peu près 15-20 minutes après le lever du soleil, l'heure du lever du soleil qui est Ash-Shuruq. Donc c'est ça le waqt al-duha, jusqu'à 5-10 minutes avant le dhuhr. Donc tout ça c'est la période du dhuhr. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier jour du sacrifice, le premier jour d'Al-Aïd, il a effectivement lapidé les stèles avant Az-Zawal, c'est-à-dire avant l'heure du Dhuhr. Par contre, les jours suivants, il les a lapidés après le Zawal, c'est-à-dire après que le soleil ait commencé à décliner dans le ciel, c'est-à-dire après l'heure du Dhuhr. Donc c'est une faute de le faire avant le Dhuhr. Al-Khata' al-Ishrin, Muzahamatun Nisa lir-Rijal 'inda al-Hajar al-Aswad. Donc, il y a une faute, la 20e, c'est le fait que certaines femmes, franchement, elles font du catch. Elles donnent des coups de coude, elles donnent des coups d'épaule parce qu'elles veulent absolument toucher la pierre noire. Et normalement, et vous savez tous à quel point on aimerait tous la toucher, la pierre noire. Comme on l'a vu avec Al-Hajj hier, c'est très difficile de la toucher. On a beau être haris, on a beau essayer même de mettre des coups de coude, c'est très difficile d'atteindre la pierre noire et de pouvoir la toucher. Les gens, une fois qu'ils ont leur place, ils ne veulent plus la lâcher. Donc déjà pour nous les hommes, c'est une erreur de mettre des coups de coude et de semer la pagaille juste pour toucher la pierre noire. Omar ibn al-Khattab, il lui a dit à cette pierre noire, « Je sais que tu n'es qu'une pierre. La tanfa' wa la tadur.
tu c'est pas toi qui profites aux gens, c'est pas toi qui es la source de bien ou qui nuit aux gens, non. Mais j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te toucher, alors je te touche. Ou t'embrasser, alors je t'embrasse. Donc la pierre noire, ne faut pas vraiment faire le awjabul wajibat min al hajj. Le truc que vraiment, si je ne l'ai pas fait, mon hajj, il est caduc, il est invalide. Non, si je peux la toucher, tant mieux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar, « Ya Omar, innaka rajulun qawi, la tuzahim ala al-hajar. » Oh Omar, tu es un homme fort. Parce que Omar, vraiment, mashallah, la quwata illa billah, c'était quelqu'un qui avait une forte corpulence. Rien que quand tu le voyais, tu savais qu'il ne fallait pas lui chercher des problèmes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, oh Omar, tu es un homme fort, ne crée pas d'embouteillage au niveau de la pierre noire. N'essaye pas de... Si tu vas commencer à essayer de la toucher quand il y a du monde, tu vas bousculer des gens. Et ça, c'est entre hommes, entre nous les hommes. Donc que dire d'une femme qui, comme on l'a vu hier, elle est censée être pudique, chaste, elle est censée essayer de se tenir au maximum éloignée des hommes. Que dire de ces femmes qui, malheureusement, pour devoir toucher la pierre noire, elles passent entre tous les hommes et elles se frottent. Qu'elles le veuillent ou pas, elles se frottent et nous, on les touche involontairement. Hachakumullah, c'est vraiment déplaisant. C'est déplaisant de voir des femmes qui en arrivent jusque-là pour un acte qui n'est pas obligatoire. Comme on l'a vu hier, si tu ne peux pas toucher la pierre noire, toucheru ilayha, ou toucheru ilayhi. Si tu ne peux pas toucher la pierre noire, tu fais un signe de la main en sa direction. Donc ce n'est pas obligatoire, surtout pour les femmes. D'ailleurs, il a été rapporté de Aïcha radiallahu anha que quand elle faisait son tawaf, ma kanat tukhalitu ar-rijal. Aïcha, il a été rapporté d'elle, l'épouse du prophète, que quand elle faisait son tawaf, elle le faisait à l'écart des hommes et elle ne se mélangeait pas aux hommes. Bon, vous allez me dire qu'à l'époque de Aïcha, radiallahu anha, il n'y avait pas cette cohue, cette cohorte, ces millions de pèlerins. À l'époque, il y en avait beaucoup moins. C'était facile pour la femme de se mettre en retrait. Maintenant, même si on voulait essayer de dire, voilà les 20 premiers... les 20 premiers cercles pour les hommes et derrière les femmes, on n'y arriverait pas. Parce que tous les hommes, déjà, ils empliraient la totalité du haram ou le maki. Donc c'est difficile. C'est difficile, je vous l'accorde. Al-khata'u thani wa 20, i'tiqadu anna makan ar-rami al-jamarat fihi shaytan. Celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Le cheikh nous dit que la 22e erreur, c'est le fait de penser que là où il y a les stèles, là où il y a les trois stèles, il y a trois démons qui se tiennent comme ça, comme des bonhommes devant les stèles. Et que c'est pour ça qu'on lapide les stèles, parce qu'on lapide les démons. Alors certes, ces stèles-là, elles ont une origine. C'est quoi l'origine? Est-ce que quelqu'un parmi vous le sait? L'origine de ces stèles, c'est que le shaitan, il était venu fourvoyer notre père Ibrahim, le prophète Abraham. Et Abraham, effectivement, a chassé le démon à cet endroit précis. Allah Azzawajal lui a permis de chasser Shaitan à cet endroit précis. Donc, pour nous rappeler ce rite, pour nous rappeler cette époque, de la même façon qu'on se rappelle le Seir de Hajar, le fait que la mère de Ismaïl, du prophète Ismaïl Hajar, elle avait fait sept fois le chemin entre Al-Marwa wa Safa, eh bien nous, on le fait pour nous rappeler ce qu'elle a fait. Eh bien comme ça, dans le pèlerinage, il y a certains endroits qu'on fait pour nous rappeler les histoires de ceux qui nous ont précédés. Eh bien le fait de lapider les stèles, c'est fait effectivement pour nous rappeler cette histoire où Abraham, Allah lui a donné la force, la puissance, le courage de vaincre le démon à cet endroit-là, mais ça ne veut pas dire que le démon est toujours présent depuis 5000 ans. Je ne sais pas quand est-ce que Ibrahim il est arrivé, est-ce que ça fait 5000, 6000, 7000 ans? Ça ne veut pas dire que le démon est toujours présent, non. C'est juste que voilà, iqtida'an bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, on fait la même chose. Al-khata'u thalith wal-ashrin, ou wal-ashrun, الخروج من عرفة قبل غروب الشمس والخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث فيها أي عرفة إلى أن ذهبت الصفرة بعد غياب الشمس كما رواه الإمام مسلم. Donc le cheikh nous dit la 23e erreur, c'est le fait de quitter Arafa. Donc on a vu que Arafa, c'est la veille de Al-Aïd, c'est la veille du 10e jour, le jour du sacrifice, le 10e, donc c'est le 9e jour. Donc le 9e jour, on le passe à Arafa et il faut absolument le demeurer jusqu'au coucher du soleil. Et la faute qu'évoque le shir, c'est le fait que certaines personnes, pour se simplifier la vie, ils vont quitter Arafa avant le coucher du soleil. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demeuré à Arafa jusqu'à ce qu'ait disparu la jauneur, je ne sais pas si ça se dit en français, à soufra, les traces jaunes du soleil après le coucher du soleil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Arafa jusqu'au coucher du soleil et c'est un impératif. Ça fait partie des wajibatul hajj, des impératifs du hajj, des obligations du hajj, de rester jusqu'au coucher du soleil à Arafa. Et le cheikh nous a dit aussi al-khuruj min Muzdalifa qabla muntasafil layl, c'est-à-dire le fait de quitter Muzdalifa avant la moitié de la nuit, et ça on l'a expliqué dans l'erreur précédente. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khudhu anni manasikakum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit prenez de moi les rites du hajj. Donc faites comme moi. Si je suis resté à Arafa jusqu'au coucher du soleil, vous devez faire ainsi. C'est parce que c'est une obligation. Si ce n'était pas obligatoire, je vous l'aurais indiqué. La 24e erreur, as-siyam fi yawmi Arafa liman kana waqifan bi Arafa. La 24e erreur, c'est le fait de jeûner le jour de Arafa pour ceux qui sont à Arafa. Donc nous on sait que celui qui n'a pas fait le pèlerinage à la Mecque, celui qui n'est pas pèlerin, il peut jeûner le jour de Arafa. Ça fait partie des meilleurs jours à jeûner. Mais celui qui est en pèlerinage, qui est en train de faire son pèlerinage et qui est là-bas, il ne faut pas jeûner. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Arafa, il avait entamé son jeûne. Et les compagnons se sont plaints. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, pour nous c'est difficile, voilà les rites du hajj c'est déjà difficile si en plus on doit jeûner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam da'a bi halib, il a demandé à ce qu'on lui apporte une coupe de lait et il a bu cette coupe de lait pour casser son jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul hajj, et puisque dans son unique hajj il n'a pas jeûné le jour de Arafa, on sait que ce n'est pas une sunna de jeûner le jour de Arafa pour les pèlerins. Ceux qui ne sont pas en pèlerinage, qui sont chez eux dans leur pays, ils peuvent jeûner le jour de Arafa. وَالْخَطَأُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ اشْتِغَالُ النَّاسِ بِالْتِقَاطِ الْجَمَرَاتِ مِنْ مُزْدَلِفَا مِنْ حِينِ دُخُولِهَا. Et donc la dernière erreur, c'est le fait que les gens, lorsqu'ils vont à Muzdalifa, lorsqu'ils sont à Muzdalifa, comme on l'a vu, lorsqu'on est à Muzdalifa, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait le jama, la réunion entre le Maghreb et l'Aïcha, tout de suite. Et tout de suite après, on se couche. Ça, c'est la sunna. Je me couche jusqu'au fajr. Eh bien, il y a des gens qui perdent leur temps à commencer à ramasser les cailloux pour lapider les stèles. Donc là, on dit ça, c'est une erreur. Et d'ailleurs, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ramasser les cailloux après le fajr, lorsqu'il quitte Muzdalifa. Donc on a vu que Muzdalifa, il faut y rester jusqu'au fajr. Sauf pour cas d'extrême nécessité, il a autorisé à certaines personnes faibles de quitter avant. Mais sinon, je pars après le fajr.